Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monkey et Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 5 de cette semaine. Et oui, un top 5, car je n'ai pas reçu assez de clips pour faire un top 10. C'est d'ailleurs pour ça que la semaine dernière, j'ai pas pu sortir de top 10. C'est parce que je n'avais pas reçu 5 clips pour vous dire à quel point. Donc, avant de commencer ce top 5, j'aimerais vous demander si c'est parce que vous trouvez le thème trop compliqué, genre le flop, que vous m'envoyez pas de clips, ou si c'est parce que vous n'avez pas compris le thème, parce que c'est vrai que. Y a des Anglais, les Anglais ils n'appellent pas ça un flop, donc ils n'ont pas forcément compris. Mais bon, j'ai quand même montré un exemple à la fin de l'ancien top 10, donc voilà, il n'y a pas trop d'excuses. Parce que si je reçois que 5 clips par semaine, je vais sûrement arrêter les top 10 à thème et retourner au top 10 basique. Du coup, à la fin du top 10, restez bien jusqu'à la fin du top 10, je vais donner un thème super facile et si je reçois pas 10 clips, naturellement, sans demander, j'arrête les top 10 à thème et puis je retournerai au top 10 normal où vous m'enverrez des stunts sans thème, quoi. Donc, sans plus tarder, on commence à la 5ème place. En cinquième place, nous avons Scro qui va nous faire un petit handle sur cette barre qu'on connaît tous au canal. Et il va enchaîner, après ce petit handle, un petit flop vers l'avant, vraiment magnifique, super original, pour enchaîner le side rise sur cette butte aussi qu'on connaît tous. C'est pour ça que je l'ai classé cinquième. Sinon, le stunt était vraiment très original. Là, il voulait enchaîner un petit side rise, mais ça n'a pas marché. Dommage pour toi. Bien joué à toi pour cette cinquième place. En quatrième place, nous avons Smiley sur un spot encore une fois qu'on connaît à peu près tous. Il va faire un DJ ici pour enchaîner le petit reverse cog super clean. Et en plus, c'est sous la neige, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, bien joué à toi pour cette quatrième place. Médaille de bronze pour Nipis qui va nous faire un stun que j'ai pas mal apprécié. Il va faire un board ici pour sauter, faire un petit flop et ratterrir un frame assez clean. Vraiment, bien joué à toi pour cette troisième place. En deuxième place, nous avons Stipio sur le spot le plus overus de la planète. Mais bon, il va faire un magnifique combo. Regardez, il va faire le As, tout Bunny, tout Framboons. Il va enchaîner le flop pour faire un topis, deuxième topis, troisième topis, quatrième topis, cinquième topis, sixième topis pour enchaîner le As. Vraiment magnifique combo, même si le spot est overus. Bien joué à toi pour cette deuxième place. Et le gagnant de cette semaine, c'est Mazaboy avec un stunt que j'ai surkiffé, qui est un peu en plus mon style de stunt. Regardez, il va faire le petit bump ici pour faire un 360, passer dans le trid, faire un flop, refaire le trid, pour enchaîner le side ride ici, pour enchaîner le board sur cette petite barre, il va ressauter pour faire le trid. Vraiment, le combo est magnifique. Bien joué à toi pour cette première place. Et voilà, c'est la fin de ce top 5, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. J'espère que pour le prochain thème que je vais annoncer tout de suite, j'espère que vous m'enverrez 10 clips sans que je demande, parce que c'est vrai que même là j'ai reçu 5 clips, mais j'ai reçu 5 clips parce que j'ai demandé aussi à des personnes. Sinon j'en avais reçu que 2, donc j'espère que la prochaine fois ça sera mieux. Donc le prochain thème du top 10 que je vais annoncer, c'est Handle, voilà, c'est Handle. Instant avec un handle, c'est pas compliqué, je vais le mettre sur l'écran, tout le monde sait ce que c'est un handle, il n'y a pas d'excuse d'anglais ou français ou je sais pas quoi, tout le monde appelle ça un handle. Donc si je reçois pas 10 clips sans que je demande, je vais être obligé d'arrêter les top 10 à thème, parce que j'ai pas que ça à faire non plus de tout le temps demander des clips et tout, c'est à vous de m'envoyer des clips. Donc voilà, le thème c'est handle, c'est facile. Si je reçois pas 10 clips, tant pis. Si je reçois les 10 clips, on va essayer de continuer avec des thèmes assez faciles. Et donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis ciao tout le monde.